Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve désormais pour la partie 3, déjà ? Ouais. Partie 3, ouais. Putain, je me rappelle même plus. Toute la journée qu'on est là, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, c'est pour vous faire plaisir, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la partie 3 désormais déjà du vlog Auto World. Ça commence à faire long, ouais je sais, mais c'est chouette, franchement c'est chouette. Donc voilà, bon on va commencer par ici, frérot. On s'est arrêté ici la dernière fois. Tu veux une chewing-gum, frérot ? Non, ça va. Ça par contre c'est... Wow. Ça par contre c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être dans un cimetière. Ah, c'est rassurant, frère. Regarde, tu veux filmer les beaux calèches. C'est marrant parce que tu m'avais dit avant la vidéo, imagine on retrouve un truc comme au Maroc. Pas de souffrance parce que j'ai pas l'angle large sur celui-là. Ouais. Non, c'est pas par rapport à moi, je m'en fous. Moi. Avec ou sans angle large, je ressemble à rien. Ça sent le cheval. Ouais. Pourtant, j'en vois pas. Non. C'est beau. Je crois que là, j'avais jamais vu avant. T'as déjà fait un tour en calèche ? Où ça ? N'importe, au bled. Au bled, non ? Non. Bonjour. C'est vrai, ouais, c'est bien. Ouais. Celui-là, il est vraiment beau. C'est donne des galas à cette galas fut utilisée à l'occasion du mariage de Napoléon. Il me disait bien que c'était genre quelqu'un d'important qui c'est était ça, dedans. Il y a un roi ou un truc. Ça doit être de l'or, non? Mais non. Aucune idée. Je pense, ouais. Non. Il y a le vélo. Ah, ça, c'est les premiers vélos. Ouais. Ça doit être fatigant en rouler. Regarde, comment tu devais t'asseoir. Petit truc en métal, là. Non, mais ouais, donc le truc qui est penché sur un. Un poteau, je sais pas ce que c'est, peut-être comment tu descends, non ? Tu dois être grand. Déjà, comment tu montes ? Mais les gens avant étaient grands. Nous, on est là, frère, on fait 1m10. Les gens avant, ils faisaient 2m. Il y a Dieterun. C'est lui qui a inventé Dieterun Car Center. C'est lui ? Donc, un groupe Audi, Volkswagen, etc. D'ailleurs, son fils, il avait présenté sa Bugatti Chiron ici, la grise. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à la voir. J'avais fait un comparo. Bugatti Chiron versus Bugatti Veyron. Les plus grosses vidéos que j'ai fait d'ailleurs. On va voir côté américain. Elles sont longues. Ouais, c'est très gros. On va faire le plein, je crois. C'est vraiment beau. Ça, c'est américain, ça. Tu vois, t'es là dans un petit coup de tank jaune, tu vois. On va faire copyright à fond, c'est pas grave. Tu me vois ça. Tu vois les corvettes, cabriolet, t'as cette petite musique là t'es au Texas, route 66. Bam, bam, bam. Tu vas direction le Texas, tu passes par le désert. Route 66. Ouais. Direction la zone 51. Ah ouais. T'arrives, chou, missile, boum. Tu vas faire la base militaire. C'est pas Doc Hudson ça ? Ça ? Le Kars. Ah, le Axa moustache là. Ouais, c'est lui là. Ça mérite une photo. Je vais faire une petite photo avec après, vous la verrez sur mon Instagram. Ça frérot, c'est la voiture de madame. C'est vraiment beau, regarde. Ça me fait penser à Mafia, le jeu. Ouais. Ils avaient des voitures comme ça. Like Mr. Kalu. J'aime bien l'aile. Ouais. Bon, l'aile. C'est une voiture 5 places, avec les ailes, ça peut être une voiture 9 places. Ça, je crois que c'est la voiture du roi, hein. C'est une des voitures du roi, des anciennes voitures du roi. Regarde comment la porte elle s'ouvre là-bas. Voilà, tu vois. This four-door convertible belonged to King Baudouin. Donc c'était la voiture cabriolet du roi Baudouin. Je crois aussi que Kennedy il avait une voiture à peu près comme ça. Ouais, je pense. Il avait un cabriolet, en tout cas, ça c'est sûr. Regarde les belles portes. Non, les belles portes. Tu vois, donc c'est pas. C'est pas vraiment Rolls qui a inventé ça, ils sont juste devenus connus un peu pour ça. C'est vraiment beau. J'ai envie de m'asseoir dedans. Oh putain, tu te couches dedans avec une couette, frère. Tu fais dodo pendant 8 heures. C'est plus confortable que mon lit. Grave. Regarde celle-là. Tellement style. Les anciennes voitures américaines, j'adore. T'es toujours dans la Corvette cabriolet.
jaune, bande blanche au milieu. Qu'est-ce que c'est? Je crois que là-bas c'est un corbillard. On va aller voir. Là, je crois qu'il y a... Ouais, il y a un corbillard. Là-bas, c'est celui-là. Rempli de strike. Rempli de strike. Porsche 356. J'ai vu le logo. Ouais, 356, c'est très connu. Et le C, c'est le C de convertible. C'est-à-dire cabriolet. Le corbillard de l'époque. C'est beau quand même. Hein. Je trouve que c'est beau. Rien à faire des intérieurs rouges d'avant, ils sont plus beaux que ceux de l'époque, je trouve. Eva ? Mercedes 300S. Tu vois ça ? Mmh. Ça vaut une tonne ! Ah, regarde, on parle de la route 66. Corvette. Ah ben voilà. Corvette. Je veux dire que c'était pas prévu. Ça, c'est où ? Angleterre ? Non, c'est pas Angleterre, ça. Je sais pas où c'est, mais c'est très joli. Renault. Dis-toi qu'avant t'avais ça, t'étais le roi de la station quand même, t'étais le king, frère. Je préfère les Renault d'avant que maintenant. Ouais, moi aussi. Ah, ben c'est militaire. Police militaire. Ouais. Comme ça, donc du coup, ce soir, il y a plein de classiques. C'est pas une pub au drone, mais venez vraiment voir parce que franchement, vos yeux vont péter un câble. C'est beau ça. Je sais pas ce que c'est. Un ça supporte tout ça. Une roue. Apparemment, 5 000 euros. Ceux qui ont vu les anciennes les vidéos d'avant, ils ont compris. C'est tellement beau. Ça, c'est mon coin préféré, la côté américaine, tout. Il y avait la voiture du roi Baudouin. Peut-être qu'il y a des gens qui ne suivent pas spécialement de Belgique, enfin je sais pas. Dédicace à vous. Merci de me suivre au passage. Et donc pour ceux qui connaissent pas le roi Baudouin, ben c'était le roi de Belgique. C'était l'ancien roi de Belgique. Il est décédé malheureusement. D'ailleurs, je sais pas comment il est décédé. Un accident ? Non, dans les Ardennes. Une crise cardiaque, je crois. C'est pas dans les Ardennes ? Je sais plus. Regarde la taille du truc. Mmh. C'est très très beau. La salle. Salut à tous, c'est la salle. Bentley. Bentley. C'est impressionnant la dégaine du truc. Hein. Je sais pas pour ceux qui regardent le youtubeur La Boiserie. On dirait pas le truc qu'il a devant sa maison, là où il y a la 1M qui est garée et son TDS. On dirait vraiment le même principe. BM 326 4D. Ça c'est une belle couleur ça. Sur la quoi, la BM? La Merco aussi. Ah ouais. C'était connu hein, les couleurs comme ça avant. À la taille du truc. T'es sorti le cabriolet? Ah, c'est Suisse. Apparemment, je sais pas ce que c'est. Y'a pas un truc? Je crois qu'ils savent pas non plus. Je sais pas, mais c'est impressionnant. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment beau. Regarde ça. On dirait pas les voitures autoroute, là, je sais pas comment on dit ça. De quoi? La voiture, elle a dit qu'ils sont toujours surboostés à fond, genre. Hein, au max, là? Ouais, vraiment les... Pas les demolition cars, là, pas les... Vraiment les hot rods, vraiment... Comme dans Cars, la voiture orange, qui avait vraiment
tu vois le bout du moteur, comme si tu vois le dessus du moteur avec les cylindres. Ah, les gros cylindrés un peu. Comme des gros cylindrés, ouais. C'est vraiment des voitures, on appelle ça des voitures hot rod. Ceux-là qui patinent à chaque fois. Mm-hmm. Avec des gros pneus arrière et des petits pneus à l'avant. Je vois c'est quoi. Je crois que ça s'appelle hot rod, je suis pas sûr. Encore une fois, corrigez-moi les gars si vous connaissez. Voilà. Allez, c'est parti. On monte en haut ? Ouais. Allez, c'est parti. À toi l'honneur. Arrêtez-vous, messieurs, arrêtez-vous. Suivez les ordres de la police, venez par ici. Vous avez vraiment cru qu'on allait partir maintenant ? Non. Prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Si vous voulez présenter votre voiture, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur l'Instagram de mon caméraman. Tout est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Joyeux Noël, bonne année. Peut-être que quand j'aurai sorti la vidéo, tout ça serait déjà passé, mais au moins, ça a été enregistré et c'est fait. Voilà. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.